Réclamée depuis de très nombreuses années, la revendication de prime d'insularité va soudain connaître en ce printemps 89 une nouvelle jeunesse. Les magasins sont vides, les ports et les aéroports sont touchés, le conflit s'enlise. À partir d'une semaine d'action dans la fonction publique lancée au mois de février par la CGT, la Corse va voir naître le plus grand mouvement social de son histoire moderne. C'est toute la fonction publique qui va s'embraser. La prime d'insularité, c'est une indemnité compensatrice de vie chère. Nous, ce que nous voulons, ce sont des mesures concrètes, immédiates, pour compenser la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Des milliards ont été donnés aux agriculteurs. Des milliards ont été donnés aux hôteliers. Des cadeaux sont faits aux transporteurs. Cela veut dire que lorsqu'il y a une volonté politique pour trouver de l'argent, on en trouve. Les fonctionnaires se sentent délaissés par l'État. Longtemps occultés par le problème politique posé par les nationalistes, les revendications sociales vont s'exprimer à l'occasion d'une trêve du mouvement clandestin. De son côté, le STC, qui est contre la prime, demande une solution globale. Il manifestera avec les socioprofessionnels. Il aura fallu attendre plus d'un mois pour que le gouvernement et les organisations syndicales se décident de discuter ensemble. Des discussions longues et difficiles qui se déroulent dans un contexte très particulier. C'est en effet la première fois que Matignon tente de régler au niveau local, par préfet interposé, un conflit d'ampleur régionale. Les représentants syndicaux refusent depuis jeudi dernier de quitter la préfecture de Bastia. La salle de réunion a été investie par les négociateurs qui ont pris leur disposition pour tenir plusieurs jours. Pour preuve, l'amusant dialogue entre le préfet et un représentant des intersyndicales qui installait son sac de couchage dans le hall de la préfecture. Remarque du préfet, quitter les lieux, ce n'est pas un hôtel. La réponse fuse instantanément. N'oubliez pas, monsieur le préfet, nous sommes dans l'hôtel du département, répond un syndicaliste. Ici à Bastia, les syndicalistes sont persuadés que le pouvoir veut donner une réponse politique à un conflit social qui dure depuis 8 semaines. Un gouvernement qui s'était pourtant engagé à régler le problème au cours de tables rondes est mis ce soir au pied du mur par l'intransigeance et l'unité des syndicats. Une intransigeance et une unité qui ont surpris tout le monde en Corse et sur le continent. Ah ça y est, il m'a pris mon coin. Malgré la fatigue et la lassitude d'un conflit qui n'en finit plus de finir, des syndicalistes qui s'apprêtaient à passer inconfortablement leur 5e nuit à la préfecture de Bastia. Vous pensez que Matignon prépare un coup politique ? Je suis prudent, j'attends de voir et puis demain il fera jour, quoi. En fonction de l'attitude du gouvernement, plus rien ne peut nous surprendre. Dans la salle des négociations, les syndicalistes ont du mal à comprendre à chaud les règles d'un jeu subtil qui les dépasse. Deux questions sont sur toutes les lèvres. Pourquoi Michel Rocard a-t-il suspendu unilatéralement les négociations en rappelant brusquement le préfet de région à Paris? Et puis pourquoi suspendre des discussions qui avançaient à petits pas mais qui avançaient quand même? On passe dans la sorte, le gouvernement nie pratiquement l'existence d'organisations syndicales en Corse. Et je crois qu'il est toujours dangereux de montrer aux gens qu'on ne les reconnaît pas. En Corse, on pratique la violence depuis pas mal de temps, malheureusement, mais c'est ainsi. Et je crois que persister dans cette voie pourrait donner des idées à d'autres personnes. Et puis, il ne faut pas oublier la pression de la rue et le face-à-face tendu manifestant en CRS dans une situation difficile devant la préfecture. L'intervention de Michel Rocard sera-t-elle décisive? J'ai décidé de l'attribution de cette prime de transport. La radiographie sur la circulation de l'argent sera vraisemblablement douloureuse. Elle sera faite. La seule condition qui est mise, c'est qu'on puisse travailler. Le conflit aura duré 11 mois. La prime de transport de base a été fixée à 2400 francs. Mais sans négociation, les fonctionnaires se sont sentis méprisés. Alors, en mars 95, ils joueront les prolongations. Ils obtiendront une revalorisation de la prime de transport et le statut zone zéro pour la fonction publique.